qui sort de façon assez audacieuse. Oh là! Buteau qui est demeuré bien haut, là, a failli se faire prendre. Et le but qui est marqué. Et pour la deuxième fois du match, Simon battu entre les jambières là, sur une attaque où il a été induit en erreur. Croyait encore une fois qu'on allait y aller avec une passe à sa gauche. Oui, tir gardé bas là, par l'attaquant des Eagles. Revirement à la ligne bleue. Chanceux, il faut bien le dire. Le défenseur des Eagles, comme tu l'as mentionné, Michel, qui est demeuré haut. Et on pensait bien qu'il était battu. Alors, la pénalité prend fin. 1-3 pour l'Océanique. Et Cormier qui lance à bout portant. C'est bloqué par Ruccia. La Rochelle va la chercher dans le coin. Remet la ligne bleue à Langlois. Fin de tir. On redonne à Langlois. Lance et compte. Je ne sais pas. Ça a possiblement dévié. Il me semble avoir entendu un bruit de bâton. La dévié, mais... Là, il y a peut-être une petite ouverture pour Saint-Denis. Avec Lefebvre, la passe est parfaite. Et quel arrêt! Là, Saint-Denis qui travaille d'arrache reprend. Dans le coin, Drover glisse la rondelle devant. Et le but! Qui est finalement marqué. Et quand j'ai vu Rocha se déplacer à sa gauche, je pensais qu'il allait l'arrêter, Yannick. Alors, c'est Jacob Mathieu qui enfile l'aiguille. Et quel but important. En avantage numérique, après les ratés qu'on a connus, on reprend les devants et il survient dans la dernière minute de la période. Ça, espérons-le, aura un effet tonique. Oui, superbe échange dans le territoire offensif, Michel, entre les par Lucas Vero. Et c'est la sortie des Eagles avec Bell qui s'avance. Bell, lancez compte! Oh mon Dieu, mais les gardiens de l'Océanique ont une soirée vraiment pénible, Yannick. On venait juste là, de parler de son rendement en relève et vendredi. Et aujourd'hui, là, Morla qui a... va en classer un dans la catégorie que, tir que j'aimerais revoir. Oui, un tir en angle. L'ailier des Eagles qui rentre hors l'aile et qui décide de prendre un lancer des poignets. Et la rondelle vient battre le gardien de but de l'Océanique à sa droite. Et je pense qu'en plus, sur la séquence, Véro va être chassé. Oui, un geste de frustration là, du numéro 27 qui a rudoyé dans le coin, le joueur des Eagles, on n'a pas vu sur cette première reprise-là, mais oh mon Dieu, quelle horreur. Permet à Véro d'alimenter Tyson Hines. Hines, à belle passe du revers, et Véro qui lance directement. Et le but qui est marqué par Julien Bellan. Sur le retour. Avec 5 minutes 14 à faire en troisième période, l'Océanique reprend les devants, c'est 5-4. Gardien de but des Eagles qui a donné un court retour et il a voulu se déplacer pour venir stopper et mettre le grappin sur la rondelle. Mais Ruccia a été battu puisque le joueur de l'Océanique qui était là a réussi à pousser la rondelle sous sa jambière. Et l'Océanique qui reprend les devants à 14-46 en troisième période. 5-4 la marque. Our friends in the Maritimes, Newfoundland and Ontario, we have a new score. Oh, rudoyé là, par Ivan. 4 secondes et l'Océanique va l'emporter. Véro va prendre un dernier tir pour la forme. Et voilà, de grip et de grappe. Avec beaucoup de difficultés, peut-être beaucoup plus de difficultés que plusieurs s'y attendaient avec... l'équipe occupant le 17e rang au classement général, mais l'Océanique s'en tire bien, remporte un deuxième match consécutif par la marge d'un but, 5-4. La marque finale en temps réglementaire.